Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie, 13-14h comme tous les jeudis. Nous parlons emploi, climat des affaires et investissement entre engagements pris par le président de la République et le parachèvement de ses engagements dans ses promesses, mais également la concrétisation de toutes ses promesses, les 54 engagements durant son mandat. Nous nous intéresserons également aux candidats en course, MSP, FFS, les candidats à la présidentielle qui en fait et qui font encore des promesses pour créer de l'emploi, assainir le climat des affaires et favoriser les investissements. Sur ce triptyque, nous tenterons de faire le point sur sommairement les réalisations du président sortant et sur les nouvelles pistes proposées par le FFS, les candidats du FFS et du MSP. Pour en parler au studio, nous recevons M. Abdelrahman Harbi, financier, M. Mohamed Yazid Boumrar, économiste. Au téléphone, nous aurons M. Adel Bensassi, président du cluster mécanique et opérateur économique, également avec nous M. Khaled Remouche pour co-animer, poser des questions dans cette émission. Vous êtes journaliste à Algérie Invest. 60 minutes économie. Tous les jeudis de 13h à 14h. Alors, nous commencerons par le chapitre emploi. Ensuite, nous parlerons du climat des affaires ou de l'investissement par la suite. En trois étapes, donc, nous allons répartir cette émission sur ces trois volets. Pour commencer, première question d'actualité. Qu'est-ce que nous retenons comme promesse faite par les candidats dans leur campagne électorale pour les présidentielles sur la création d'emplois, avant de revenir très sommairement sur ce qui a été réalisé par le candidat sortant, Abdelmadjid Tebboune, de ce qui a été réalisé comme refonte des différents dispositifs de création d'emplois. Alors nous, pour commencer... Évidemment, nous avons eu à retenir, enregistrer la promesse du président candidat aux élections présidentielles du 7 septembre, le président Tebboune, qui promet d'abord une allocation chômage à 20 000 dinars, mais également il s'engage à créer 450 000 emplois, mais aussi à atteindre 500 000 jeunes, à atteindre un chiffre de 500 000 jeunes auto-entrepreneurs. Voilà, en tout, on va dire les trois grandes réalisations à venir ou promesses, mais également il y a aussi un point à noter dans sa campagne électorale, et c'est de s'engager à porter le nombre des startups de 7 800 à 20 000 lors de son prochain mandat. Qu'en est-il des autres candidats pour ce qui touche à l'emploi? Alors, le candidat du MSP, ce que l'on retient également succinctement de son programme concernant l'emploi, il mise évidemment sur la formation, l'adéquation de la formation professionnelle avec les besoins des entreprises, également redynamiser l'entreprise publique, également faciliter l'investissement privé pour créer des emplois. Pour le candidat également toujours du MSP, à travers son programme, il cite la création d'un tissu industriel diversifié. Il veut porter à 1 million le nombre de petites et moyennes entreprises, porter à 10% le nombre des PME, des activités de transformation principalement. Voilà ce que on retient, en tout cas, du programme écrit noir sur blanc du candidat MSP. Pour le candidat FFS concernant l'emploi, à travers son programme, le candidat parle d'une redynamisation de la politique d'emploi, également une sorte de refonte. Il mentionne le chômage, le taux de chômage qui avoisine les 14% et qui va augmenter plutôt. Hein. Il parle de 19% d'augmentation du taux de chômage. Il se réfère au Fonds monétaire international d'ici 2026. Comment s'attaquer à ce chômage par la création d'emplois,
Le candidat FFS promet en fait d'abord de commencer par réaliser une étude détaillée pour identifier et cartographier les différents bassins d'emploi en Algérie. Également, il compte définir des priorités régionales, guider les investissements et les initiatives de développement en fonction du potentiel économique et renforcer le tissu industriel national en encourageant la relocalisation et la colocalisation d'entreprises étrangères. Qu'est-ce que vous pensez des promesses avant de revenir à la question de ce qui a été déjà réalisé en matière d'emploi, Monsieur Mohamed Yazid Boumrar. Merci Madame Sbarkalikoum. Merci pour cette invitation. Il est usuel que chaque candidat à la présidentielle fasse des promesses. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le souci des promesses dans le domaine économique ou juridique institutionnel ou de réformes beaucoup plus larges réside dans la vraisemblance de ces propositions et de la capacité de chiffrer, d'argumenter. Pour les trois candidats, ils ont un point commun, qu'il n'y a pas de détails. Bon, parfois, par exemple, pour le chômage, quoi que ce soit pour le candidat de la FFS, il donne la cible de 19%. Celui du HMS, il donne 3%, à ramener le chômage à 3%. Mais comment? Quelle est la procédure? Oui. Il n'y a pas de modalité opératoire. Même pour le candidat président sortant, on va créer 300 000 emplois, 500 000 emplois, c'est excellent, sur la base des chiffres de l'investissement. Oui. Mais là, il y a un problème, c'est que parfois, on impute ça à l'actif du président sortant pour la période précédente. En même temps, on reprend les mêmes chiffres et on dit qu'on va créer. Donc, il faut se mettre d'accord. Donc, c'est le grand problème dans les propositions. Bien sûr, dans un document de candidature à la présidentielle, forcément, on est généraliste par défaut. Forcément, ce n'est pas un document technique, on va dire comment je vais faire les choses. Oui, oui, Il y a un minimum de vraisemblance. Parce que plus on est vraisemblable, plus on est crédible envers son auditoire, là, on commence à être écouté et le débat peut être amorcé. Mais si on reste sur des chiffres très généreux, on aimerait bien. Aucun, déjà, si vous remarquez dans les propositions des trois candidats, il y a beaucoup de points communs. Aucun ne va refuser la croissance. Aucun ne va être contre une inflation basse, un chômage beaucoup plus bas. Mais comment y arriver? Oui. Vous estimez que dans les programmes des candidats ou dans leurs discours, il y a des promesses, mais il n'y a pas le mode opératoire? Oui, bien sûr. Non, c'était pour un grand public comme ça. Quand ils vont aller en campagne, dans un auditoire de citoyens, c'est normal. Qu'on ne dévoile pas toute mais, sa mais stratégie. Moi, mon intervention, madame, pour rester correct envers les trois candidats, je le base sur l'écrit du programme qui est... Ce n'est pas sur le discours des partisans. Sur le programme lui-même. Parce que les partisans sont dans un mode de séduction, donc forcément, parfois, on a des déclarations qui ne se tiennent pas. Mais si je me tiens aux déclarations des candidats eux-mêmes et de leur programme qui est écrit noir sur blanc, comme vous l'avez très bien précisé au départ, il manque cet aspect-là qui permet d'amorcer un débat. D'accord? Je veux créer 300 000 emplois, mais vous allez le financer comment? Où? Dans quel secteur? Là, la discussion commence à être intéressante. Tout le monde, même moi, aucun candidat ne va être contre la création de 300 000 emplois, 500 000 emplois. On couvre au moins les 200 000 sortants du secteur universitaire, au moins. Oui. Parce que chaque année, on a 200 000 diplômés. Oui, monsieur Mohamed Yazid Boumrar, j'ai fait vraiment une lecture très, très, très synthétique, parce qu'à travers tous les programmes des candidats, il ne faut pas non plus leur porter tort par justement le fait d'avoir résumé des promesses, mais évidemment, chacun parle d'abord de favoriser l'investissement, d'améliorer le climat des affaires, les deux thèmes dont on va parler un peu plus tard, et également de redynamiser toutes les PME de transformation, les aider, les accompagner financièrement. C'est de là qu'on pense que les emplois vont être créés. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Monsieur Abdelrahman Harbi, financier, un peu sur la même question, des promesses qui sont faites. Il y a des chiffres donnés par un des candidats, donc de 450 000 emplois, de 20 000 start-up, 500 000 jeunes futurs encore entrepreneurs, et puis des autres promesses des autres candidats sur la base. Eux, ils sont plus, les autres candidats, plus dans une refonte, dans une étude, dans une analyse du marché, dans une politique de redynamiser le secteur marchand, public ou privé.
Très bien. Tout d'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Quelque part, je rejoins Monsieur Boumrall par rapport à sa lecture, dans le sens où quand on donne des chiffres, on donne des promesses, en fait, si on ne communique pas sur la façon d'atteindre ces promesses-là ou ces engagements-là, ça ne rend pas très facile à celui qui écoute ses promesses de les visualiser et savoir comment on va les atteindre afin qu'on puisse faire confiance et choisir tel candidat. D'autant plus que ce genre de promesses ou d'engagement existe depuis la nuit des temps. Donc à chaque fois qu'il y a un candidat, dans tous les pays, exactement, dans tous les pays. Donc on va essayer de séduire, de dire qu'on a une bonne volonté, que voilà ce qu'on veut atteindre. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui a fait qu'on, tous les candidats précédents, qui n'ont pas réussi à atteindre ces objectifs-là, quels étaient les obstacles qui les ont empêchés de les atteindre? Et à mon sens, c'est sur cet angle d'attaque qu'on doit procéder. C'est où étaient les lacunes. Oui. Une fois qu'on va régler ces lacunes, on va pouvoir s'engager à effectivement réaliser tant d'emplois, tant d'en... Merci, monsieur Adel Ben Sassi au téléphone. Bonjour. Ma question, je la reformule autrement, pour ne pas faire du copier-coller. Ce serait de dire, vous êtes un opérateur. Oui. Vous êtes aussi au sein des PME qui cherchent à trouver des parts de marché et évidemment à créer de l'emploi dont parlent les candidats. Il y en aura où, à votre avis, où faut-il les trouver? Secteur public marchand, secteur privé ou l'entrepreneuriat? Où va-t-on chercher ces emplois? Merci pour votre question, merci pour l'invitation. D'abord, je tiens à partager l'avis de Monsieur Boumrall et Harbi, effectivement. Moi, je vais me placer du côté des espaces intermédiaires, puisque non seulement en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que président de cluster, nous sommes là pour essayer de porter haut les voix de nos PME. Donc, en défendant justement et en allant sur le terrain pour identifier les lacunes dont parlait Monsieur Harbi, notamment l'amélioration du climat des affaires, etc. Mais ça reste très général. Pour nous, en tant que PME productrice, donc PME de transformation, le plus important pour développer l'emploi et développer l'entreprise, c'est d'abord les entreprises actuelles créatrices de richesses doivent être encouragées et soutenues, notamment par un développement intégré. C'est-à-dire que tous les secteurs stratégiques, que ce soit l'industrie pétrolière, l'agriculture, le tourisme, etc., tout ce qui aura été choisi par les différents candidats, doit faire l'objet d'un développement intégré, c'est-à-dire de l'encouragement du Made in Algeria et toujours penser écosystème, c'est-à-dire penser à l'intégration de l'amont, l'intégration de l'aval. Une PME, c'est 10 ans pour atteindre une maturité. Donc d'abord, avant de parler de création, je pense qu'il faut parler de croissance et d'encouragement de la PME productrice actuelle en favorisant l'accès aux marchés nationaux. La deuxième des choses, la création de l'emploi, elle se fait notamment actuellement par l'écosystème start-up pour les TPE, pour les trop petites entreprises, que les start-up, mais pour passer justement du stade de TPE au stade de PME, pour moi, la meilleure façon d'y aller, c'est de donner, encore une fois, la chance à ces TPE d'accéder à des nouveaux marchés. Il y a eu des lois qui ont été faites dans ce sens, et je tiens, en identifiant justement une des lacunes, c'est le manque de confiance. On a toujours ce manque de confiance des entreprises algériennes, des grands donneurs d'ordre par rapport aux TPE et aux PME, à travailler avec des solutions, notamment en ingénierie, qui soient du 100% algérien, toujours tendance à aller vers des solutions étrangères. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, doit être porté par l'ensemble des candidats. Et permettez-moi d'insister là-dessus, il y a beaucoup de solutions qui partent souvent à l'étranger par manque d'accès au marché, profitent d'autres pays, ce qui est forcément dommageable pour l'Algérie. Voilà. Merci. Merci. Ouais. Je donne la parole à Khaled Mouch pour des questions à nos invités. Alors, bonjour, chers auditeurs. Je rejoins les avis des invités et je voudrais aller plus loin. C'est-à-dire, je voudrais poser la question de la cohérence de l'approche des trois candidats en matière d'emploi. Je voudrais leur poser la question, est-ce que sur
sur la fiabilité du taux de chômage qui est affiché et les objectifs qui sont affichés en matière de chômage, est-ce que ces trois candidats parlent de la fiabilité du chiffre du taux de chômage? On parle par exemple de 12,5. En 2023, l'Algérie a un taux de chômage de 12,50%. Qu'en est-il de la fiabilité de ce chiffre? Et puis la cohérence de l'approche. Est-ce qu'on tient compte dans la fixation du taux, 12,5%, de l'informel? Est-ce qu'on tient compte des emplois créés par les systèmes sociaux, c'est-à-dire l'ANGEM, l'ANAD, tous ces systèmes? C'est-à-dire, est-ce qu'on retient, par exemple, les besoins dans cette approche, les besoins en emploi chaque année? On tient compte des besoins pour afficher des objectifs. Est-ce qu'il y a un tableau de bord? Voilà, est-ce qu'il y a une cohérence? C'est ma question. Est-ce qu'il y a une cohérence dans l'approche emploi ou lutte contre le chômage dans les programmes des trois candidats? Voilà. Monsieur Boumrar, ensuite Monsieur Abdelrahman Harbi et Monsieur Adel Bensassi. La question est claire de... Bien sûr, non. Là, sincèrement, Monsieur Remouche, votre question est très pertinente et vraiment elle va au fond du sujet. Quelque part, là, c'est dommage que pratiquement 60 ans après l'indépendance, on est encore à se poser quel est le taux de chômage. On est dans le domaine des devinettes, on n'est même pas l'estimation statistique. C'est le statisticien, on est dans le domaine des devinettes. Depuis 2019, le dernier taux de chômage date de 2019, septembre 2019. C'est anormal que 5 ans, on n'a aucun chiffre officiel. On n'a pas. C'est que maintenant, moi, ça me fait mal qu'on me dise que la Banque mondiale, oui, ou le FMI, qui est à Washington, à 15 000 km, me fasse une estimation du taux de chômage de mon économie. Ça, je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas dans un pays qui avait un ministère de la planification, une administration économique, où l'essentiel des économistes actuels dans l'Afrique francophone, dans les pays du Maghreb, ont été formés chez nous. Ils ont été formés chez nous. Et actuellement, être fonctionné dans une économie sur un pan aussi important que la création d'emplois, son indicateur officiel, ça, il faut le régler rapidement. D'accord, on n'est pas... C'est inadmissible. C'est-à-dire qu'il faut que l'enquête emploi chômage de l'ONS se reprenne. À un certain moment, les collègues de l'ONS, ils ont fait un effort. Au lieu d'un chiffre annuel, ils ont commencé à produire un chiffre chaque 6 mois. C'était intéressant, parce que ça a arrêté. Maintenant, on a un arrêt total. On avait ce chiffre-là, il doit reprendre. C'est la base semestrielle et trimestrielle. Ailleurs, c'est réglé dans les pays voisins. Dans les pays voisins qui ont été formés dans l'école où j'étais formé, l'Institut de planification statistique, on publie le chiffre du chômage chaque 3 mois, et détaillé, de la même façon que vous demandez. Et on sait où on a créé de l'emploi ou on ne l'a pas créé. On l'a créé, tant mieux, on doit documenter ça, on a fait d'excellentes choses. On ne l'a pas créé, il faut amorcer un débat sincère, dire, voilà, on n'a pas créé, pourquoi l'objectif n'a pas été atteint. À côté, il y avait le chiffre de l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi, qui est très intéressant. Très, très intéressant, il s'est arrêté depuis 2 ans. Depuis juin 2022, le bulletin statistique mensuel, l'ANEM, qui est très, très riche, très détaillé, vous avez le profil des chômeurs. Quelque part, vous avez le profil des demandeurs d'emploi. D'accord? C'est là où on peut questionner, est-ce qu'on a créé de l'emploi pour la femme, pour les jeunes, pour le non-diplômé, pour la formation professionnelle? Parce que là, c'est le point le plus important. Les trois candidats, les deux candidats, hors le président actuel, on ne peut pas leur demander plus de détails. Ils n'ont pas accès à l'information. Ils n'ont pas, même si dans leur personnel de parti, il y a des cadres, des ministères, qui les ont permis de rédiger la partie économique du programme, forcément. Donc, ils ont des fonctionnaires qui travaillent actuellement, qui les ont aidés, des consultants, des économistes. Mais pour le candidat actuel, M. Abdelmadjid Tebboune, il faut rapidement, s'il est réélu ou les autres, il faut rapidement régler cette question des indicateurs économiques. Et le seul, on peut terminer sur ça, oui, l'émission, le seul à avoir fait... Elle n'est pas encore terminée. Elle n'est pas, quand on va terminer. Le seul à avoir mis le doigt sur ce point-là, c'est M. Hassani de la Harakat Hams, où il dit dans son programme qu'il faut mettre en place une unité de planification. Il faut régler ce problème-là, des indicateurs économiques, une fois pour toutes. Monsieur Abdelrahman Harbi, la question, toujours dans ce thème, est-ce qu'on estime que le taux de chômage, est-ce que le taux de chômage est un phénomène, est un fléau par sa grandeur?
Absolument, le taux de chômage est un indicateur économique important. Et justement, je me pose la même question. C'est pas que je me pose la même question, mais c'est que je me dis quel est le vrai taux de chômage quand on voit celui le taux de chômage. Celui qui circule est de 2%, près de. Vous 12,5%. Le FFS donne 14. 12,5% en 2023. 12,50 en 2020. Oui, mais je, en même temps, je vous demandez si c'est 12, est-ce comment on est arrivé. Voilà, est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'on peut se baser sur ce taux de chômage pour se prononcer? Parce que quand je dis que je vais créer 400 000 emplois et que je proratise ça par rapport au taux de chômage, par rapport à la population totale, ça va me donner un taux, combien d'emplois ou combien du taux de chômage je vais déduire ou je vais réduire. Mais du moment qu'il existe un problème qui est beaucoup plus important, qui est celui du marché informel, là, on a du mal à déterminer un taux de chômage fiable sur lequel on peut acter et agir. Et je reviens aussi, encore une fois, à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on fasse un assainissement. Pourquoi on n'arrive pas à atteindre les objectifs qui sont fixés? Pourquoi les promesses ne sont pas tenues? Et si on ne se base pas sur des données fiables, les promesses ne peuvent jamais être atteintes parce qu'elles ne sont pas réalistes, elles ne sont pas... Monsieur Adil Bensassi, sur la question de Khaled, si vous pouvez répondre. Oui, bien sûr. Écoutez, je rejoins d'abord ce que disait M. Herbi actuellement. Le problème du taux de chômage, il y a deux points. Il y a la nature des emplois créés, effectivement, comme disait c'est justement M. Boumrar. Et le deuxième point, c'est l'informel. Et dans ce sens-là, il est important de souligner la priorité à donner à l'informel dans le cadre d'une inclusion économique, parce qu'on parle de plusieurs centaines de milliers d'emplois actuellement. Moi, je placerai ça quand même dans ce qu'on appelle les emplois précaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas défendus, il n'y a pas de couverture sociale, il n'y a pas de représentativité quand même des travailleurs, ce qui sont deux points importants à dire, parce que le plus important, c'est quand même de défendre ces emplois. En ce qui concerne les principaux points qui ont été repris par les candidats, il ne faut pas oublier que il y a eu beaucoup de propositions qui ont été reprises, d'accord, qui ont été faites déjà par les espaces intermédiaires, les associations professionnelles, patronat, conseil de PME, etc. Et j'ai noté tout ce qui concerne les problématiques en lien avec la création d'emplois, donc et développement de l'entreprise, qui sont les problématiques financières. Alors il y a eu des propositions de banques d'investissement et les problèmes de réforme fiscale. Et la réforme fiscale est là aussi pour inclure le secteur informel dont nous venons de discuter. Et il y a aussi toujours le problème du développement des zones industrielles. Et on voit que ce sont des problèmes récurrents. Et je rejoins ce que disaient mes collègues à l'instant. Le plus important, peut-être, à mon sens en tout cas, est de mettre en place une planification. La planification, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on va définir quels sont les indicateurs, qui est en charge du suivi de la réforme, quand on doit la faire, et de fixer les jalons nécessaires à l'élaboration de la stratégie, la mise en place de la stratégie et aussi l'évaluation, parce que sans évaluation, on ne pourra pas savoir où on va exactement. Alors, on resterait rapidement sur cette question avant de faire par la suite, comme c'est prévu dans la feuille de route de cette émission, faire une petite évaluation très 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 résumée, succincte, les grandes lignes de ce qui a été réalisé durant le mandat du président sortant, et sans faire de procès d'intention, bien sûr, pour les autres candidats à venir, les candidats en course. Nous sommes donc tenus de faire au moins une petite évaluation de la création d'emplois. Ce que j'ai pu retenir de manière succincte, à travers l'engagement du président Tebboune, donc il parle de l'emploi et de la lutte contre le chômage. Ça, c'était dans les 54 engagements. Il évoquait la réduction drastique du taux de chômage, en particulier le chômage des jeunes, des femmes, à travers la multiplication de l'offre d'emploi induite par la croissance économique. Il y a eu par la suite donc une révision des dispositifs, hein. Le dispositif ANSEJ, CNAC, ANGEM. Il y a eu donc la création du ministère de start-up avec les quelques centaines peut-être de start-up labellisées. Il y a eu donc la mise en place de l'ANAD qui remplace l'ANSEJ, la CNAC, puis le dispositif qui est apparu, l'auto-entrepreneur. Alors,
Et puis, je voudrais ajouter, donc, sur la base de ces notes, des engagements hein, qui ont été prononcés, l'intégration progressive dans des postes d'emploi permanents des demandeurs d'emploi par l'ANEM, l'insertion des jeunes primo-demandeurs dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, le DAIP, le recrutement en contrat de travail aidé, le CTA, l'appui à la création d'activités et l'amélioration de la performance des dispositifs en siège, CNAC, etc., etc. Donc, quelle évaluation faisons-nous, pouvons-nous faire sur ce qu'on a pu retenir comme refonte des dispositifs pour l'entrepreneuriat et pour le placement des primo-demandeurs, très souvent dans la fonction publique, dans le secteur public, Monsieur Mohamed Yazid Boumrar. C'est-à-dire que vous parlez des propositions à venir ou non, du bilan? Non, je parle des engagements et de ce qui a été réalisé en matière d'emploi sur la base de ce que je viens de dire, c'est-à-dire les primo-demandeurs à travers l'ANEM, leur placement à travers le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, à travers le recrutement en contrat de travail, le CTA, les start-up, l'auto-entrepreneur, l'ANAD, etc. Donc c'est quelque part un bilan du candidat sortant. Sur l'emploi. Il y a eu tous ces aspects-là qui sont repris dans le programme actuel du président Tebboune, figurent déjà dans le document. Dans le parachèvement. Dans le 54 engagement. Et les promesses que le président a prises en novembre 2019. Des chiffres ont été déjà donnés durant cette année. Non, je parle de 2019. C'est qu'une partie, c'est-à-dire qu'à la décharge du candidat sortant, n'ont pas été réalisées parce qu'il y a la Covid juste après. Il ne faut pas oublier ça. La Covid, on a sorti la tête de l'eau qu'à partir de juin 2021. Donc, il faut être assez réaliste. Le chômage s'est accentué. C'est inévitable dans tout le monde. Donc, on ne peut pas nier cela. Je veux dire qu'une partie des engagements qui sont relatifs au volet économique n'ont pas pu être concrétisés parce que juste après, il ne faut pas oublier, décembre, les élections. Vous avez fin février, exactement le 22 mars, on a déclaré officiellement qu'en situation de Covid, de crise qui a duré pratiquement une année et demie, une année, jusqu'à juin 2021. À partir de là, effectivement, il y a une reprise. De la même façon que dans les précédentes années, ça c'est inévitable, c'est la commande publique qui était la première. La commande publique. Les entreprises, surtout privées, n'ont pas pu accompagner cela parce qu'elles sont fortement impactées par la période Covid. Ça, il faut le dire, elles ont été fortement impactées par le Covid. Et je soutiens que je pense qu'on n'a pas été suffisamment soutenu par le gouvernement à cette période-là. Donc beaucoup d'entreprises ont disparu. Mais il y a une reprise. On le remarque dans les statistiques de l'ANEM, à partir de 2022. Il y a eu une commande, il y a eu le programme CTA, il y a eu des dispositifs, mais pas tous les dispositifs. Il ne faut pas oublier que les deux dispositifs en GEM et en ADA ont été gelés pour une révision. Ils viennent d'être remis à la fin de l'année. Cette année, pratiquement une année, ils étaient à l'arrêt. Les deux sources qui peuvent donner une reprise à l'emploi, mais dans deux formes différentes, elles sont d'un côté les start-up. Donc, M. Harbi, pas en parle mieux que ça, Matarsan, parce qu'on n'est pas bien ce monde-là. Et l'agence de l'entrepreneur, où vraiment on a innové en permettant aux jeunes de rentrer dans ce cadre d'une manière très dématérialisée, effectivement. Là, il faut prendre du temps pour faire un bilan, parce qu'on n'a pas, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas, on a des annonces, on a des mesures qui sont mises en place, mais on n'a pas à côté, on n'a aucun indicateur, un chiffre régulier qui nous permet de dire est-ce que l'objectif qui a été annoncé il a été atteint ou pas. On n'a pas. Donc il faut réapprendre à publier régulièrement les statistiques, chaque mois, chaque trois mois, minimum. Comme ça, on aura une visibilité. Et là, un débat sérieux peut être fondé. On ne va pas rester dans des approximations comme ça. Il y a eu quand même, vous estimez très objectivement que le temps n'a pas suffi pour mettre réellement sur les rails ces dispositifs et voir leurs fruits. Bien sûr, non. Vous êtes élu, deux mois après, il y a la Covid. C'est pratiquement ce qu'on a vu, on a vécu pendant la Covid, l'humanité ne l'a jamais vécu. Faut le reconnaître. Oui. C'est un coup de massue pour tout le monde. Mais je veux dire, ce sont de bonnes initiatives. Par exemple, bien sûr, on n'a pas le droit de douter de la bonne intention des hommes politiques. On n'a pas le droit de faire ça. Mais on a le droit d'évaluer. Écoutez, on est citoyen algérien, c'est le faire. Parfait. Monsieur Abdelrahman Harbi, on parlait d'une. D'une évaluation, une évaluation qui n'engage que
votre avis personnel. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, tout d'abord, moi, je fais un constat qui est, disons, relativement positif, dans le sens où il y a eu du nouveau. En fait, on a apporté de choses nouvelles, notamment la création du ministère des startups, par exemple. En Allemagne, ils ont été étonnés qu'on ait tout un ministère, alors que eux, ils ont juste un syndicat qui défend les droits des startups, alors que là, il y a un ministère auquel on peut s'adresser directement. L'initiative est bonne, mais à mon sens, les startups et le statut d'entrepreneur ne vont pas avoir un effet aussi important sur la diminution du chômage. Exactement. Pourquoi ? Parce que dans une start-up c'est quoi ? C'est une petite entreprise qui a un fort potentiel de croissance. Donc durant les 3 à 4 années, en fait, c'est pas une entreprise qui va recruter. Ce sont 2-3 amis qui ont décidé de se lancer ensemble, donc ils vont rester ensemble pendant une certaine durée avant que l'entreprise ne connaisse sa croissance, si elle la connaît, parce que la durée de vie moyenne d'une start-up, c'est de 3 ans. Donc, si elle arrive à être rentable et à payer des salaires, etc., là, elle pourra contribuer à l'absorption du chômage. Maintenant, pour revenir au statut auto-entrepreneur, pour revenir au statut auto-entrepreneur, donc quand on parle d'auto-entrepreneur, c'est une personne qui va entreprendre. Donc, c'est pas une personne qui va employer du monde, c'est pas une personne qui va contribuer à la réduction du chômage, mais ce que ça permet de faire... Détrompez-vous, bien sûr que c'est possible. Un auto-entrepreneur, il peut lancer une plateforme et engager un graphiste, un photographe. Bien sûr. Voilà, il peut engager des gens, évidemment. Il va engager des gens de manière indirecte. Ça veut dire qu'il ne va pas leur garantir un salaire. Ça veut dire que s'il ne travaille pas avec eux de manière constante, ils peuvent se retrouver au chômage. Donc le statut auto-entrepreneur, c'est une personne qui va entreprendre et il sert plutôt aux personnes qui avaient des activités en finance. C'est déjà une personne exactement, qui est active. Oui. Donc ça permet à cette personne de se convertir de l'illégalité vers la légalité. Donc pour moi, c'est des leviers qui sont importants à avoir, mais c'est pas exactement. C'est les industries, c'est ce qui va permettre de diminuer le chômage. Ça reste des emplois créés. Absolument, absolument. Je dis que c'est une très bonne initiative, mais ce n'est pas l'initiative qui va nous permettre de vaincre le chômage. Monsieur Mbiezi, d'avoir donné la parole, monsieur Adelbitis. Il a raison pour dire que l'entrepreneur, il active déjà. C'est-à-dire que le statut nouveau lui permet juste d'avoir un cadre légal. Mais il est déjà actif, il n'était pas au chômage. Donc on ne peut pas imputer le nombre d'entrepreneurs comme une création nouvelle d'emploi. Il était comptabilisé comme chômeur, hein, parce qu'il n'avait pas un statut légal. Pas nécessairement. Monsieur Adelbitis. J'ai oublié la question. Écoutez, d'abord, effectivement, qu'on oublie très rapidement. On était dans l'évaluation, voilà, c'était ça. Oui, de ce que j'ai pu bien citer sommairement, succinctement, de la politique engagée. Noté, l'ANEM, oui, l'AIP, absolument. Effectivement. Et on n'a pas tout dit. Hein. Absolument. Non, effectivement. Pour faire, on va dire, une évaluation globale, hein, puisqu'on va plutôt parler de toutes ces mesures comme étant des mesures de favorisation et de croissance de l'écosystème entrepreneurial algérien. Effectivement, les startups, il y a quelques années, on en parlait pratiquement nourri au nez en disant que les startups, c'est pas fait pour l'Algérie. On a vu que tout un écosystème a été créé en passant par la création, l'accélération, la numérisation, etc. et que actuellement, c'est tout nouveau, mais on voit que ça a quand même pris forme et que c'est en train d'être consolidé en tout cas. Maintenant, sur l'auto-entrepreneur, je tiens à dire que ce système-là est un système à généraliser parce que la dématérialisation de la démarche ainsi que la défiscalisation partielle est un élément essentiel, à mon sens, pour permettre encore l'inclusion du secteur informel vers le secteur formel. Et cette dématérialisation de la démarche de création d'entreprise doit être, pour moi, généralisée à l'ensemble du système du registre de commerce pour permettre une fluidification, une débureaucratisation par la numérisation des démarches. Et il ne faut pas oublier que tous les points les mesures qui ont été citées, il s'agit d'un processus progressif qui nécessite du temps pour être pleinement concrétisé. Et je suggérerais en tout cas au président candidat et à l'ensemble des candidats
bien sûr, d'être dans une dynamique de concrétisation par des réformes structurelles continues. Et les informations dont parlent mes collègues de statistiques sont très importantes. Et il ne faut pas oublier de prendre en considération l'approche bottom-up, c'est-à-dire la remontée d'informations des premiers acteurs du système économique qui doivent être pris en charge par les décideurs politiques. Merci. Adel Bensassi, question de pour clore ce chapitre. Concernant l'évaluation, ce qui est bien dans ce qui a été fait, c'est de donner à l'université un rôle économique. Il y a eu la création, c'est-à-dire les universités ont commencé à prendre en charge cette histoire de création de l'entrepreneuriat. Il y a eu des incubateurs qui ont été, etc. C'est vrai. Donc l'université a un rôle économique de plus en plus important. Moi, ma question, c'est que le chômage des jeunes diplômés, est-ce que dans les programmes des trois candidats, On fait mention. C'est-à-dire, ils prennent en charge cette préoccupation. C'est-à-dire, il y a des engagements concernant le chômage des jeunes diplômés. C'est une question qui reste posée, je pense. Oui, tous les trois candidats dans les... C'est clair que c'est mentionné dans leur programme. Je Mais pense est-ce que vous c'est l'avez... précis? Est-ce que c'est détaillé? Est-ce que si on met une ligne sur le « oh, je vais lutter », etc., c'est pas... qu'il y a des détails? Oui, il n'y a peut-être pas de détails. Il y a les grandes lignes. Il y a les promesses de création d'emplois parmi ces emplois qui seront créés. Est-ce que l'approche, elle est bonne concernant ça? On laisse les électeurs lire et essayer de comprendre la trajectoire des uns et des autres. J'aimerais qu'on passe à la deuxième, deux en un. Climat des affaires, investissement, ça va ensemble. Avec la même approche, donc on va voir ce qui a été promis par les différents candidats. Nous ferons aussi une petite évaluation de ce qui a été engagé comme réforme pour assainir le climat des affaires et pour favoriser l'investissement, le soutenir, l'accompagner et bien sûr, par là même, créer des emplois. Par quoi est-ce que je vais commencer? Est-ce qu'on commence par une évaluation ou alors par les déclarations des uns et des autres? Alors, climat des affaires, je vais faire un petit raccourci, monsieur Mohamed Yazid Boumra. Le climat des affaires, depuis donc toutes ces réformes engagées par le candidat sortant, débureaucratisation, numérisation, code des investissements, accès au foncier, répartition de la gestion du foncier touristique, urbain, économique, l'élimination, la suppression de la TAP et les autres exonérations fiscales accordées. Qu'est-ce que vous pensez de ces chantiers lancés, dont certains ont vu le jour, d'autres restent à être concrétisés, de ce climat des affaires tel qu'il a été mené pour être assaini par le candidat Boone? Pour l'aspect climat des affaires, c'est beaucoup plus un chef d'entreprise comme représentant, comme M. Adel Sassi, qui pourra en parler mieux qu'en personne, parce qu'il faut avoir des perceptions. Absolument. Moi, je n'ai que les déclarations, ce qui est annoncé. Pour l'investissement et le foncier, effectivement, il y a eu des changements radicaux avec la loi sur l'investissement d'octobre 2022, une refonte des missions de l'Agence de promotion des investissements, et on a eu des chiffres sur les statistiques des intentions des investissements. Il faut le préciser, c'est des intentions des investissements, ce n'est pas des projets effectivement réalisés pour l'instant. Oui, ça parle de 8000, plus de 8000. 8450. C'est ça. Et nombre d'emplois prévus à créer, montant d'investissement. Enregistré. Oui, prévus à créer. Sur ce plan-là, sur le plan du texte et la refonte de la fonctionnement de l'agence, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il ne faut pas le nier. D'accord. L'acte de déclaration de l'investissement, il est totalement dématérialisé. Et celui qui veut faire un investissement, c'est beaucoup plus facile. Il peut le faire de chez lui à minuit. Mm-hmm. Après, il aura un rendez-vous. Ça, c'est un aspect qui a été réglé. Ça, il ne faut pas le reconnaître. Même pour l'aspect foncier, qui n'est pas évident. Le foncier n'a jamais été, même s'il était inscrit dans les missions de l'Agence de développement d'investissement depuis 1993, mais dans les faits, c'est au niveau de la wilaya que ça se gère. Ce n'était pas l'agence. Actuellement, on a donné noir sur blanc cette mission à l'API et on a mis en place une plateforme
et on commence à avoir des échos. Même sur ce point-là, c'est les chefs d'entreprise qui sont présentés qui pourront mieux répondre à votre question, dont M. Adel Bessassi. Bien sûr. Mais pour les intentions d'investissement, là, il faut faire attention. Là, le chiffre qu'on nous donne, c'est un cumul depuis novembre 2022. Quand on le ramène sur une base annuelle, novembre 2022 jusqu'à juillet 2024, on a 8450. Sur une base annuelle, on est du même niveau que les intentions d'investissement qu'on a enregistrées en 2012-2013. Normalement, on devrait avoir plus si on met à côté le potentiel d'économie. Donc, on est pratiquement dans les mêmes niveaux, 5000. Dans les 8400, au mois de juillet de l'année précédente, l'API a donné un détail très intéressant de ces projets d'investissement. Oui. On remarque deux, trois choses. La première, la moitié, c'est des investissements d'extension. C'est avec des gens qui étaient bloqués, mais quand même, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas de nouveaux investissements. Ça, c'est important. C'est pour ça que je dis, la publication régulière et détaillée des statistiques permet de fonder, de dire des choses intéressantes. Sinon, on reste sur des apoprismes qui ne sont pas intéressants, ni pour nous, ni pour le gouvernement. D'accord ? Aucun n'est gagné dans cette affaire-là. Mais ce chiffre-là, donc la moitié, c'est des investissements d'extension. C'est pas rien quand même. C'est des gens qui étaient bloqués, ils ont profité de la nouvelle loi. Oui. Ils ont fait une extension. On parle de 900 entreprises, lever d'obstacles sur 900 entreprises à travers le territoire et qui ont permis de créer 22 000 emplois. Bien sûr. C'est important. Ils ont profité, ces entrepreneurs, pour faire une extension, pour répondre à une demande additionnelle ou régler des problèmes anciens qui sont accumulés depuis 10 ans ou 20 ans. D'accord, ça c'est le climat des affaires qui a été assaini. Le deuxième aspect dans ces investissements, il y a beaucoup dans les services et un peu dans l'agriculture. D'accord. Et un peu dans le domaine médical. Mais beaucoup plus prestations-services. D'accord. Dans l'industrie manufacturière, c'est normal. C'est-à-dire qu'à côté du commerce détail ou de gros, vous créez des activités. Ce n'est pas chaque jour qu'on va créer une usine. D'accord. C'est normal que, algébriquement, on a beaucoup moins dans l'industrie manufacturière. Mais le plus important, et ça, moi, je suis allé sur ce point-là parce que j'ai discuté avec des collègues qui sont au niveau de l'API, des anciens collègues. Dans un de mes étudiants, je leur ai dit, il faut faire la même chose que l'API a fait en 93. C'est de mettre en place des indicateurs de suivi de réalisation. Moi, sur 100 entreprises qui sont venues chez moi et j'ai donné une autorisation d'investir, dans 3 mois, combien elles sont entrées en activité? Dans 6 mois, combien? Dans 9 mois? Si ce taux-là n'augmente pas, c'est un révélateur que l'écosystème, parce que l'API, quel que soit l'effort qu'ils font, ce n'est pas eux qui sont... Ils n'ont aucune autorité, c'est les autres administrations. Absolument. Si ce taux n'augmente pas ou il est très faible, donc il y a un problème, il m'alerte. Il y a des blocages. Il m'alerte, il y a des blocages. Bien sûr. Et là, ça me permet de moi de tirer et de faire, de rédiger les notes nécessaires à qui de droit pour dire, il y a un effort, il y a une volonté politique, mais qui ne se traduit pas au niveau de telle administration. C'est réel. D'accord. C'est, sur la question climat des affaires investissement, je laisse le tour à Khaled pour poser les questions aux autres invités. Oui, il y a une orientation. À monsieur, pour faire un petit... Il y a une orientation. Petite alternance, là. Il y a une orientation en matière de climat des affaires qui est prise par certains pays. Je prends la Géorgie, qui est actuellement, qui a été classée 7e en matière de climat des affaires dans le Doing Business de la Banque mondiale. Ces pays-là, ils prennent les indicateurs pour classer les pays selon le climat des affaires. Donc il y a par exemple la création de l'entreprise. Oui, oui. Il y a un baromètre. Du permis, en combien de temps on obtient le permis de construire. Les formalités douanières. Le raccordement à l'électricité. Le raccordement à l'électricité, etc. Donc ils ont pris ces pays, ils ont pris tous ces indicateurs de climat des affaires, oui. Et ils se sont attaqués à ces points faibles. Et le financement. Ils ont amélioré leur classement. Les pays qui sont avancés dans ce classement-là, doing business, ce sont les pays qui ont numérisé les procédures foncières, le grand chantier, procédures d'enregistrement de l'entreprise, etc. Ils ont numérisé, ils sont les premiers. Est-ce que nous, dans notre approche, est-ce que nous allons vers ce doing business, améliorer notre climat des affaires? Et est-ce que les candidats tiennent compte de ce rapport doing business où nous sommes mal classés?
Monsieur Ali Harbi, Monsieur Adel Ben Sassi, Abdelrahman, Monsieur Abdelrahman Harbi, ouais. Sur le climat des affaires, évaluation pour commencer, ouais. Et les attentes. Vous êtes aussi ouais. dans le... Je suis impliqué. Impliqué. Ouais. Donc, pour ma part, en matière de climat des affaires, il y a deux éléments qui sont assez conséquents. Le premier point, c'est qu'il y a eu la loi 18-22 qui a revu le 51-49, qui était assez bloquant pour les investisseurs étrangers. Donc là, ça a été revu pour que ce soit réduit à quelques secteurs stratégiques, notamment pharmaceutiques, miniers, énergie, hydrocarbures et militaires. Mm-hmm. Donc pour le reste des secteurs, c'est possible de venir investir en Algérie. Il y a aussi la possibilité d'investir directement en numéraire. Il y a la suppression de la TAP. Donc tout ça, c'est très bien, mais on a l'impression que ce n'est pas suffisant, parce que pour moi, un climat des affaires, comme disait monsieur, il y a certains critères qui vont définir qu'on est meilleur en matière en matière de climat des affaires. Oui. Et en fait, moi, je ne le constate pas réellement à travers ces indicateurs, mais à oui. travers le nombre de nouvelles entreprises créées, le nombre de nous, de c'est le climat qui influe positivement sur la volonté d'investir. Exactement. C'est ce que parce que c'est plus facile, parce que c'est rapide, absolument. Parce qu'on a accès. C'est ce que ça va générer comme activité économique, comme investissement, qui va me dire qu'effectivement le climat des affaires est meilleur. Maintenant, la digitalisation, c'est vrai que ça contribue quelque part à faciliter l'accès aux interactions d'abord. Absolument. Mais si je paye de chez moi ou je me déplace aux impôts et je paye le même montant, c'est juste que je gagne un peu en confort, mais ça n'améliore pas forcément le climat des affaires. Question, monsieur Adel Ben Sassi, laissez-moi vous la poser. Alors, je prends juste le constat fait par les autres candidats en course, le constat fait sur le climat des affaires à travers leur programme. C'est le cas du FFS, il est similaire chez le MSP. Le classement de Doing Business 2021 de la Banque mondiale place l'Algérie à la 57e position sur 190 pays, avec des classements préoccupants pour la protection des investisseurs, la liberté de commerce, le poids de la fiscalité, la bureaucratie, la création d'entreprises, les procédures administratives sont souvent complexes, bureaucratiques, sujettes à beaucoup de lenteur. Est-ce qu'on est dans le même constat que font les autres candidats aujourd'hui? Oui, effectivement, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des problématiques, vous venez d'en parler. On parlait aussi de la digitalisation, comme disaient mes collègues, qui est une arme contre la bureaucratie, la simplification, la digitalisation. Rien n'a changé depuis les chantiers lancés du candidat? Non, attendez, moi je vais vous parler en tant qu'entrepreneur. Ah d'accord, allez-y, je ne vais pas m'aimer. On est passé d'un climat hostile à un climat contraignant. Je vous influe pas nullement, pas du tout, pour relativiser la loi de la relativité. Non, mais c'est-à-dire que effectivement, encore une fois, donc un climat hostile où vraiment il fallait se battre contre monts et montagnes pour pouvoir survivre, à un certain nombre de contraintes qui ont été évoquées, dont certaines ont été levées et ou sont en cours. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. Si vous permettez, je voudrais rajouter, pour ne pas répéter ce qu'ont dit mes collègues précédemment, si vous voulez, on parle pas, en tout cas à titre personnel, juste du doing business. Là, il faut voir aussi la stratégie de développement intégré du pays. C'est-à-dire que le climat des affaires, on parlait de l'Algérie comme un marché, c'est-à-dire qu'un importateur net de biens et services. Mmh. Là, on essaie de transformer ce marché en opportunité, c'est-à-dire un pays attractif où effectivement il y a un cadre législatif qui protège l'investissement, qui promeut l'investissement et qui facilite l'accès au marché aux entreprises algériennes, qu'elles soient de capitaux algériens, mixtes ou étrangers. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui a été fait, même si l'ouverture, elle est encore balbutiante, parce que on souffre peut-être d'une image aussi, d'une partie marketing, où l'Algérie n'a pas su vendre peut-être suffisamment son image, mais en tout cas, les réformes sont là, et il y a un point important sur l'encouragement des IDE. Les projets structurels, mmh. tels que le développement des mines,
Notamment, je pense oui. aux mines de terre, oui. le développement de la sidérurgie, oui. les aciers spéciaux, oui. tout ça, c'est-à-dire le développement de filières de l'amont jusqu'à l'aval, contribue énormément, et je pèse mes mots, à la création d'entreprises et d'emplois. C'est pour ça que le président sortant parle de 450 000 emplois à partir d'Oran, faisant allusion à la création de ces emplois à travers la mine de Rajbilet. Je ferme la parenthèse. Absolument. Et là, écoutez, moi, je suis pas un chantre de l'autarcisme, mais dans le cadre de ce développement-là, tout ce qui est en train d'être fait, en tout cas l'intégration en amont pour l'industrie mécanique et donc les industries d'intégration et de transformation est importante. On a cité le fer, la sidérurgie, la métallurgie et la mécanique, mais il faut aussi citer le secteur de l'agriculture parce que nous sommes un pays importateur de blé, un pays importateur de lait. Il faut savoir que le poids de l'Algérie sur le marché international est tellement énorme que la demande de l'Algérie va faire fluctuer les prix sur les marchés internationaux. Et on parle aussi d'intégration en amont pour l'industrie agroalimentaire. Et ça, c'est quand même plusieurs milliards de dollars qui sont mis sur la table. Il y a le projet qatari et les projets italiens pour la production de lait, mais ce qu'on ne voit pas dans la production de lait, c'est tout ce qui est fourrage, tout ce qui est blé, tout ce qui est céréales, qui va être nécessaire au développement de cette filière. Et qui dit développement de filière, dit va dire machinisme agricole, va parler de production locale, ça rejoint aussi les industries mécaniques, de transformation. Donc, encore une fois, le développement intégré tel qu'il est en train d'être fait, même si on souhaite qu'il soit accéléré, est en train de voir le jour. Et c'est un point, à mon sens, qui est des plus importants, parce que s'il n'y a pas de développement en amont, je parlais de l'agroalimentaire, on peut parler aussi du plastique. L'Algérie est très gros transformateur de plastique. La production des granulés en Algérie, là encore, est un développement stratégique. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à maîtriser des filières de l'amont à l'aval, en passant par la transformation, tout ça ne permettra pas de consolider ce qui aura été fait précédemment. Mmh. Et pour moi, c'est le point le plus important qu'il faudrait retenir et qui n'a peut-être pas assez été mis en exergue. Par rapport à cela, je tiens à rajouter aussi qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait par l'ouverture à l'international. L'ouverture à l'international, je pense à l'ouverture des frontières vers les pays d'Afrique, les pays riverains, mais aussi toute la politique de diplomatie économique qui est en train de faire le corps diplomatique, donc en faveur de nos entreprises, par l'accompagnement, par la formation de nos diplomates dans le secteur économique. Et ça, c'est aussi un point qu'il faudra en tout cas encourager, si ce n'est renforcer pour les années à venir. Merci Monsieur Adel Redar Mouche sur Climat des Affaires, tel que s'engage à l'assainir les candidats dans les mêmes termes, à travers les mêmes objectifs que ceux dans les engagements du président sortant. Il y a énormément de similitudes, diversification de l'économie, augmenter les PME. Il y a absolument les mêmes objectifs dans le sens de l'assainissement du climat des affaires et dans l'idée de favoriser les investissements. On est dans quelque chose de similaire, mais il y a quand même une longueur d'avance d'un candidat parce qu'il a engagé tous ses chantiers. Khaled, vous en pensez quoi? Et puis, question. C'est-à-dire, je pense que c'est bien ce que les candidats présentent, etc. Mais je pense que c'est pas complet. Il manque beaucoup de choses. Par exemple, je prends un point. Par exemple, les effets d'entraînement des grandes entreprises, comme Sonatra, comme Sonelgaz, comme les grandes entreprises, ils peuvent avoir un effet d'entraînement très important sur la création de PME, de petites entreprises. Les sous-traitances, Sonatra peut créer dans ce domaine, Sonelgaz, il y a d'autres sociétés aussi derrière. Il y a plein de sociétés, de grandes sociétés, qui peuvent avoir un effet d'entraînement sur la création d'emplois. Je pense par exemple la pétrochimie. Ce qu'a dit Ben Sassi est très très pertinent. C'est-à-dire la pétrochimie, où on est dans la pétrochimie. C'est-à-dire la pétrochimie peut créer par exemple pour le plastique, par exemple les matières premières pour le plastique, et ça peut créer beaucoup d'emplois. Donc on peut créer des emplois. On a des tissus diversification de l'économie à partir des grandes ressources du pays. Vous parlez de l'énergie, de l'agriculture, mais
Comment amorcer tout ça? Est-ce que ce climat des affaires et les réformes de l'administration sont encore un long chemin, Monsieur Mohamed Boumrar? Oui, effectivement. Les perspectives sont bonnes, les objectifs aussi, le potentiel est là, c'est ce que tout le monde dit, le simple citoyen, nous avons tout, le soleil, les ressources. Oui, mais comme l'a précisé M. Adel Bessassi, c'est-à-dire qu'il y a un malaise, il y a encore un malaise qui est diffus quelque part et on n'arrive pas à retrouver les effets pleins de ces déclarations, de cette bonne intention politique. Problème de gouvernance, problème de mentalité globale, générale. Non, il y a un sérieux problème de coordination et d'approche. D'accord. Les problèmes économiques, on les solutionne avec des outils économiques, pas avec des outils bureaucratiques et administratifs. D'accord. Avec des incitatifs. La coercition, elle a son domaine d'application dans certains cas, et ça se comprend quand on a des opérateurs ou des citoyens qui ne reconnaissent pas la légitimité de l'État ou de certaines lois. Ça, c'est normal. Mais dans le domaine économique, si on a une inflation, l'augmentation d'un prix d'un produit, on traite ça avec des incitatifs économiques. On comprend pourquoi il y a une inflation sur ce produit-là. C'est pas en mettant en place des groupes de travail, des commissions qui vont mettre un mois pour se réunir, un mois pour comprendre, un mois pour prendre une décision. Entre-temps, l'économique ne va pas attendre. Hein. Donc, il y a un sérieux problème de coordination et de conception de la politique économique. C'est pour cela que, moi j'ai dit, on va terminer sur ça, la proposition vous du candidat... Vous voulez avoir le dernier mot. C'est pas je veux le dernier mot. Il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes pour les autres. C'est-à-dire que moi, je vais terminer dans quelques secondes. Il en reste 2, nous dit la réalisatrice. Pas 4. Il reste écrit 56 là-bas. Mais là-bas, c'est il y a un décalage horaire, je pense. Il y a un décalage 3 minutes. Maninage, oui, j'ai compris. Donc, la proposition de M. Hassani, elle est pertinente. Il a repris une idée qui est ancienne. Il faut une unité de coordination au plus haut niveau de l'État. On ne peut pas continuer de cette façon-là. Une coordination dans la conception et le suivi et l'évaluation des politiques économiques. C'est ce premier aspect, comme cela existe ailleurs, c'est-à-dire qu'une unité qui fait de la planification, de la prospective effective, hein, c'est-à-dire qui fait de la prospective plus haut niveau de l'État. Quand on dit plus haut niveau de l'État, c'est au niveau de la présidence, comme cela se fait ailleurs. D'accord? Il faut qu'il y ait une vue d'ensemble de coordination. J'ai une autorité. À côté de cela, il faut qu'il y ait une publication régulière et détaillée des indicateurs de suivi de ces politiques économiques. Depuis tout à l'heure, vous me posez des questions, on est mal à l'aise pour vous répondre. Parce qu'on n'a pas les chiffres, on n'a pas les appréciations. Il nous reste combien, Aïcha? Une minute? Est-ce qu'on est d'accord, M. Bensassi Khaled et M. Harbi, de donner la dernière parole à M. Boumrar? Non, mais oui, on est d'accord. Allez-y, il faut terminer. Je vais revenir sur ça. Faut des hommes comme vous, justement, pour non, pouvoir je pense pas, non, je pense à faire pas, avancer je pense les pas. Choses il faut pas, on a fait suffisamment d'erreurs, il ne faut pas en rajouter. Non, moi, ça m'a fait mal. Tout à l'heure, quand il a posé la question, M. Remou, sur le taux de chômage, et moi, j'attends qu'une institution qui est à des milliers de kilomètres, dizaines de milliers de kilomètres, me donne le taux de chômage de mon économie, ça, je ne l'admets pas. Ça, c'est inadmissible. Inadmissible pour un pays qui s'appelle l'Algérie. D'accord? On a des compétences locales au niveau de nos administrations. Il faut leur faire confiance. On ne peut pas continuer cette façon-là. Sur l'évaluation, c'est un point très important. L'évaluation des politiques publiques. Moi, c'est-à-dire ma préoccupation, c'est la gestion du temps. On a les c'est-à-dire qu'au cours des mandats des présidents, les mandats, on s'occupe pendant un certain temps au dispositif institutionnel. C'est on met beaucoup de temps à faire les textes de loi qui ne seront pas appliqués plus tard. On met deux ans pour c'est faire. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps, alors qu'il faut s'attaquer aux problèmes sur le terrain. C'est ça, les deux candidats vont faire un grand chantier institutionnel. On recommence. On va mettre beaucoup de temps à faire les textes, à aller au Parlement, adopter le texte, etc. Oui. Alors qu'il faut s'attaquer rapidement, si on veut être, il y a un objectif d'être un pays avancé, c'est-à-dire un pays émergent, à l'issue des mandats des trois candidats. Si avec ces chantiers institutionnels, etc., on met beaucoup de temps, on n'arrivera pas. Merci beaucoup, M. Adel Bensassi, M. Abdelrahman Harbi, M. Mouch Khaled et M. Mohamed Yazid Boumrah. Merci beaucoup pour votre contribution, mesdames, messieurs. Merci, à bientôt. Beaucoup.